Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Être chrétien aujourd'hui, c'est croire en Dieu avant tout, qui est plein d'amour pour toute la création, et qui, en voulant nous sauver du mal et de notre égarement, il a pris chair de la Vierge Marie, il est devenu homme comme nous. Il nous a enseigné le chemin de la vie et du bonheur. Et il a été crucifié et mort et ressuscité d'entre les morts. Et ainsi, il nous a ouvert la vie, le chemin de la vie éternelle. Croire en Dieu se traduit aussi par une vie quotidienne de prière. La prière qui est une relation avec ce Dieu en qui nous croyons, une relation, on est lié à Dieu, et une communion avec les autres, avec la créature entière, la création entière. Être chrétien aujourd'hui, c'est être disciple du Christ, de ses enseignements. C'est aussi apporter cette bonne nouvelle du salut, de la joie aux autres. Être chrétien aujourd'hui, c'est croire en la résurrection, que notre vie ne s'arrête pas ici-bas, mais qu'on est appelé à une grande communion avec tous les saintes et saints, avec tous ceux qui ont cru et ont été sauvés par Jésus-Christ. Être chrétien, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain de toutes ses forces. Être chrétien, c'est devenir la lumière du monde, comme nous dit Jésus, en apportant une lumière au lieu de maudire les ténèbres. C'est apporter la consolation, un accompagnement à tous ceux qui souffrent. C'est accepter ses faiblesses, et se savoir sauver malgré tout, aimer malgré tout, pardonner malgré tout. Au Seigneur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.